Sur la figure à main levée, ci-dessus, ici par exemple, F est le milieu du segment RA. Et les points E, F, G, H, malgré les apparences, sont alignés. Autrement dit, cela, c'est une droite. Écrit en justifiant toutes les égalités de longueur sur cette figure. Bien sûr, la première égalité, c'est FA égale FR. Bien. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur GR et GA? GR et GA, ou HR et HA, ou ER et EA? C'est une indication, bien sûr. Qu'est-ce que c'est cette droite? Cette droite qui est perpendiculaire à un segment en son milieu. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle la médiatrice de ce segment. Et chaque point de la médiatrice, que ce soit G, que ce soit H, que ce soit E, etc., il est à égale distance des extrémités. Par exemple, ER égale EA. ER égale EA. On peut raisonner aussi en termes de symétrie. Regardez, le point R est le symétrique de A par rapport à cette droite. Le symétrique de E par rapport à cette droite, c'est lui-même. Du coup, AE et RE sont deux segments symétriques par rapport à cette droite. Et la symétrie conserve les longueurs. AE égale RE. Et bien sûr, de la même façon, GR égale GA, GR égale GA, et HR égale HA, HR égale HA. Désolé, GeoGebra, pour avoir écrit une figure si belle et si moche, en même temps, à main levée. Mais le raisonnement, c'est clair. Vous avez compris? Je répète. Les points E, F, G, H sont alignés. Autrement dit, E, F, G, H, c'est une droite. F est le milieu de segment AR. Autrement dit, cette droite est la médiatrice de ce segment. Et n'importe quel point de la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités de ce segment. HR égale HA, GR égale GA, ER égale EA, et etc. pour n'importe quel point de cette médiatrice qu'on ne va pas la prolonger.